laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins rester vivant. Bonjour celui-ci, bonjour béni, on salue chaque grand monde dans le nom de Jésus. Et nous remercions. Amen. Seigneur, profitez-li, pour amour-li, pour bonté-li, qui chaque matin renouvelé envers nous. Nous disons bon Dieu merci parce que infidélité nous parle bon Dieu infidèle. Du Seigneur Dieu et qui est stable. Amen. Et en Dieu, ça le dit, il fait. Nous bénissons Seigneur pour ça. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège que lui a accordé nous. Pécheurs que nous y est. Mais grâce à Dieu, nous sommes pécheurs repentants. Nous gagnons Saint-Esprit qui là pour rappeler nous à l'ordre. Les nous faisons bagaille qui mal, nous pas arrêter chita sous ça, mais qui fait conscience, nous reprocher nous pour nous aller bon Dieu et ranger causer nous. Parce que si causer nous pas ranger avec bon Dieu, ennemi en lui-même la bien priorité sur nous l'a fait nous saluer. Nous bénissons Seigneur pour sujet ça et qui permet nous gain pour moi ça qui c'est la stabilité spirituelle. Et texte de base non c'est le psaume 62 verset 3 au côté David a dit verset 1 il dit oui c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est en lui. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Et d'abord, moi, je voulais dire non que si nous t'attendons de interférence dans le sens que et nous t'attendons de soit en machine à passer. Alors, c'est pas faute, moi, c'est que, non, position, moi, il y a, m'oblige, vin, m'écarter, de côté, m'y a, ouais, pour m'capable, disons, quiétude, pour m'faire ça, ma faire. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous, les amen. Nous, c'est quoi? Amen. La stabilité spirituelle. N'a développé matin un thème nous la donne qui c'est comment faire pour être stable spirituellement. Comment faire pour être stable spirituellement. Frère Samio, stabilité les définit comme caractère de ce qui tend à demeurer dans le même état. Ce qui tend à demeurer dans le même état. Il dit quelque part dans la Bible, nom foua, li batika li sou sabla. Ouais, li batika li sou sabla, et la pluie commence à tomber. La pluie tombe, glolo vini, et ça passe kaela. Kaila li déplacé. Kaila sorti nan position te ya. Ça fait ça. Parce que li pas stable. Espace côté te ya, c'est pas un espace qui te vraiment, disons, gen rock solide. Qui te gen pierre la donne. C'est un sable mouvant. Donc, stabilité, c'est un état d'équilibre. Un état d'équilibre et de sérénité qui nous permet de vivre en accord avec nous-mêmes et avec notre environnement. C'est ça, stabilité.
les petits recherches, c'est ça les bancs moins. Donc, demeurer dans le même état. La stabilité, il manifeste dans différents domaines de la vie, dans différents domaines de la vie, tels que le travail. Ouais, le travail, le sentimental, le spirituel, l'économie et la santé. C'est dans ce sens ça, il définit stabilité. Il dit, il y a un monde qui est stable dans le travail. Il dit, c'est un monde qui, demain, si je veux, il a commencé à un niveau bas au fur et à mesure la montée, la montée, la montée. Donc, ici, la frère Samuel, en répondant à la question qui dit comment faire pour être stable spirituellement, nous avons un adverbe spirituellement, spirituellement, qui vient de l'esprit. Ouais, pour stable dans l'esprit, ou, c'est-à-dire stable au niveau de l'esprit. Donc, on nous a dit précédemment, la stabilité est un état d'équilibre et de sérénité. La Bible dit, si mon nom, ouais, l'un bras maman, l'un serein, elle dit, l'un pas peur, l'un pas peur parce que l'un senti, l'un assuré. Lorsqu'on a la foi qui est stable, ça permet que ou pas vaciller. Lors de nos situations difficiles, ou pas chercher ailleurs, ou pas chercher à gauche et à droite, et comment pour sortir la donne, ou à gagner les yeux fixés vers Jésus-Christ, qui fait promesse, et l'elle fait promesse-lui accomplie, frère Samuel. Pour être stable spirituellement, n'a pas point ça matin. Il dit, parole bon Dieu dit, nous devons obéir au commandement de Dieu. Nous devons obéir au commandement de Dieu. Dans le psaume 19, verset 9, il est dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Amen. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, sont justes. Elles réjouissent le cœur. Elles réjouissent le cœur. Mais ça me souligne. Pas d'un côté, bon Dieu, liba et l'ordre. Et puis pour en bas, pas d'un ça et les bénédictions. Well, il dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Amen. C'est le premier commandement avec une promesse. Oui, qui va, puis Baptiste a dit, jouyo ya prolongé. C'est-à-dire que gen moun ki mouri, gen moun ki mouri avant l'heure. Gen ti moun ki mouri avant l'heure. Parce que dès que ou pas marcher dans l'obéissance, ou pas jouir de grâce et bénédiction, bon Dieu. Donc David a dit que ordonnance bon Dieu yo droite. Ça dit yo équilibré. Là, on dit on balance qui équilibré, c'est-à-dire que si on balance qui pas gain force côté. Ouais, li bien mesuré. Li bien mesuré. Commandement bon Dieu yo pur. Le commandement bon Dieu yo éclairé Dieu. Ici, pur signifie yon bagay qui sans mélange. Là, on dit l'or la li pur, c'est-à-dire que li pa gen sa li, aucun mélange la donne. Or là, on dit ça li garanti son l'or à 100%. Li pur.
par exemple, leur dit un vin pur. Elle dit que c'est un vin qui n'est pas altéré, un vin qui n'est pas vicié, un vin qui n'est pas pollué. Leur dit de l'eau pure. Elle dit que c'est un de l'eau où capable de boire sans inquiétude. Ou pas besoin de peur pour boire de l'eau ça. Ordonnance, bon Dieu, non seulement yo juste, non seulement yo pur, mais ça vous fait yo éclairé. Ça veut dire que les répandre de la lumière sur quelque chose ou sur quelqu'un. La lampe, là, on dit, la lampe éclaire la chambre. Ça dit que c'est du fait noir. Ou pas trouver côté pour tes faits dans le fait noir. Mais dès que la lumière paraît, les permet que ou capable de voir. Dans Matthieu 4, verset 16, il dit que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort. Autrefois, frère Samyo, nous pas la vivre dans la lumière. Nous avons fait ça nous voulons. Nous pas dit ça et les ordonnances, bon Dieu. Mais la venue de Jésus-Christ, ça le fait. L'ivine bat nos lumières. L'ivine fait nous connaître. Mais comment nous devons agir? Mais qui ça nous doit faire pour nous capables de faire, bon Dieu, plaisir? Donc, matin, frère, c'est mieux. Donc, pour nous capables de gagner une vie stable spirituellement, nous avons besoin d'obéir au commandement de Dieu. Et loi, bon Dieu, yo amène nous au bon port. Loi, bon Dieu, il a permis que nous fassions ça, nous devons faire. Et pour nous faire que bon Dieu content. Jésus-Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La main du Seigneur, pour que la vie est prégnée dans nous-mêmes. Pour nous parler la ça, il y a une foi vacillante. Monde qui n'est pas stable spirituellement. L'aile dans la situation, il n'y a route pour le faire. Il cherche à gauche, il cherche à droite. Et l'aile, il veut le bouquet. Laisse à la songer, bon Dieu. Non. Il y a un monde qui a une vie stable spirituellement, quelle que soit la situation spirituelle, quelle que soit la situation qu'on va traverser, lui demander pour chercher un recours qui est bon dans l'éternel, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui qui boussole nous. La parole de Dieu, c'est lui qui guide nous. La parole de Dieu, c'est lui qui mène nous côté nous doué aller. Et c'est lui qui permet de nous prendre de très bonnes décisions. Parce qu'en plus fois, nous prenons des décisions, nous crions après. Ça fait ça parce que nous agissons émotionnellement. Nous pas appuyer nous sur le rock solide. Ici là, David a fait nous connaître que l'Éternel, c'est lui qui rocher. Donc, là où caché non Jésus, ou c'est yon, ou n'a yon tout qui forte. L'Éternel est une tout forte. Et le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Matin, frère, Seigneur, n'a fait connaître que, parole bon Dieu, fait nous connaître que nous besoin, disons, appuyer nous sur Jésus-Christ. Nous besoin coller nous sous lui, parce que le pape fait nos défauts. Nous besoin mettre tout appui nous sous lui, parce que Jésus-Christ, lui, c'est roi des rois. Jésus-Christ, ça le dit, il fait lui, il pas manquer nos paroles. Alléluia. Jésus-Christ pas manquer nos paroles. Si Jésus te connaît, manquer nos paroles.
tape nous, tape couler à ma. Mater Frère Samyo, la mort du Seigneur, pour lui banou, ça y est, l'esprit éclairé, pour lui banou, une stabilité, pour que nous obéir à la loi bon Dieu. Parce que loi bon Dieu, non seulement yo pure, loi bon Dieu, yo juste, loi bon Dieu, yo équilibré, loi bon Dieu, pas qu'on fait méchanceté, loi bon Dieu, c'est la vie que li baye, la vie qui pa jamais fini. A nous, appuyez-nous sur bon Dieu, même Jean David qui appuyé le Seigneur. David te mettait toute confiance dans bon Dieu. Et effectivement, David te gagne une heureuse vieillesse. Et moi-même avec vous, si nous besoin, pour que nous gagnions fin qui assurée, une fin qui équilibrée, une fin qui glorifie le nom de Dieu. En nous, appuyez sur bon Dieu. Notre Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. C'est au bon Dieu qui a tout pouvoir. Ça va permettre que nous ayons foi qui est stable. Nous ayons foi qui pas déséquilibrée. Une foi qui appuie sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que bon Dieu bénisse-nous. Que bon Dieu sanctifie-nous. Que bon Dieu fortifie-nous. Et rendons-nous inébranlables dans quelle soit la situation que nous y est. Pour nous appuyer sur bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen. Amen.